Moi aussi, je t'aime. Bienvenue sur Fun, ça va tout le monde? Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, on vous fait partager un bon plan avec Père Riche, Fils Pauvre, le meilleur plan de la semaine, parce que vous pouvez le suivre sur les réseaux. Évidemment, il vous donne des bons plans quasiment chaque jour. Hein. Mais le meilleur, c'est pour le vendredi, chez nous, sur Fun Radio. Salut Père Riche. Salut Cartman, ça va tout le monde? Salut, ça va bien. T'es en forme? Ouais. Bah là, dis-toi, je suis un enterrement de vie de garçon. Ça vient juste de commencer, donc là je suis encore encore sobre. T'es encore frais. Ouais, tout va bien. T'es encore frais. Allez, on salue toute l'équipe de la Jonquera hein, qui accueille beaucoup de gens pour les enterrements de vie de garçon. Et peut-être maintenant même des enterrements de vie de jeune fille, parce que j'ai l'impression que ça part à volo. Bref, c'est mon avis personnel. Bienvenue sur les GG RMC. qu'est-ce que je voulais dire? Père Riche, chaque semaine, le bon plan. Et à chaque fois, on le dit, hein, c'est des records de vues aussi pour les vidéos de Père Riche. Donc ça, c'est trop cool. Quel est le bon plan de la semaine? Tout d'abord, avec la thématique dans ce moment, comment s'est passée la rentrée des classes pour vous, vos enfants, cette semaine? Ah bah ça, il n'y a que Florent qui a des enfants dans l'équipe. Comment s'est passé pour Florent? Non, son fils, ça s'est pas très bien passé. Bah, premier jour, il s'est battu, il a fait des doigts d'honneur. Donc, c'était une rentrée classique. À 4 ans. À 4 ans. C'est Joe Lopez, hein, le fils de Florent. voilà, c'est le seul. Hein. Le reste, on n'a pas fait de rentrée, à part la rentrée à la radio. Ok, bon bah vous voyez, à la rentrée des classes, on a toujours plein de livres à acheter et ça alourdit le cartable. Ouais. Ah, voilà. Ceux qui nous suivent en vidéo ont vu qu'il y a eu un bug, là, ça va être dans le bêtisier de fin d'année. L'allumage s'est éteint. L'allumage s'est éteint et ça arrive. Mais oui, c'était un prank. donc, qu'est-ce que. T'as raison, en vrai, t'as raison sur les livres. Moi, je me souviens quand j'allais à l'école, les bouquins, c'était des kilos. En plus, le premier jour, parfois, les profs, ils demandaient de tous les amener. C'est ça qu'il y a 14. Quand il faut les couvrir, là. Ah, ouais, c'est trop chaud. Bon donc aujourd'hui vous avez deux bons plans. Okay. Le premier, c'est pour payer vos livres moins chers. Ouais. Donc c'est avec Chasse aux livres. En fait, c'est un comparateur de prix qui va vous permettre d'économiser aussi bien sur les livres d'occasion ou neufs. Ça c'est bien. C'est une appli, Chasse aux livres. C'est un agrégateur en fait. Un agrégateur de recherche. Ok, ouais. D'accord. C'est ça. Et parce qu'il y a plein de sites où on peut acheter des livres. Et franchement, ils ne sont pas du tout au même prix. Il y en a qui se gavent parce qu'ils prennent 5 euros par. Voilà. Donc au moins, c'est bien. Voilà. Okay. Et leur plus, c'est de comparer aussi bien l'occasion et le neuf. Ça, c'est bien. Vous avez tout le recensé. Ouais. Et le deuxième bon plan pour alléger du coup vos sacs à dos et lire plus vite, c'est d'avoir vos livres avec Amazon Kindle, donc en les téléchargeant sur votre portable, ce qui vous permet de les lire dans les transports, par exemple, ou avec Amazon Audible en livre audio. Ça, c'est génial. Comme ça, vous pouvez pratiquer une activité, peu importe, et du coup, lire par la même occasion. Et tous les livres qui existent, ils sont dessus? Voilà. Tous les gros titres. Il y a plus d'un million de titres disponibles sur les deux plateformes. Moi, j'avoue, je le fais, les livres audio. Parce que moi j'ai du mal à me concentrer pour lire. Et ça me fait chier d'ailleurs. Ça endort, moi je trouve. Mais moi j'adore. Ah ouais, mais c'est comme un podcast en fait. Alors c'est comme un podcast. Exactement. Mais c'est raconté par des comédiens. C'est pas des voix un peu robotisées et tout. Quand il y a des petites scènes jouées, c'est joué. Non mais je le dis parce qu'on pourrait croire que c'est genre un peu comme une lecture. Et c'est incarné à chaque fois. Et même les livres d'école sont bien faits. Là vous allez sur Amazon et vous allez télécharger Audible et vous allez pouvoir avoir tout ça. Exactement. Moi je vous ai mis les liens sécurisés toujours dans la bio de ma page Instagram Père Riche Fils Pauvre. Comme ça vous avez les bons liens. Vous écoutez Fun Radio.